Bonjour à tous, c'est B61 pour un nouvel épisode de Uncharted Drake's Fortune, donc le quatrième. Alors exceptionnellement, je vais aller dans la sélection de chapitres, parce qu'en fait, à la base, j'ai déjà enregistré ce chapitre, sauf que il y a eu des erreurs d'écriture. Donc du coup, je suis obligé de reprendre au chapitre 6, donc ça sera peut-être légèrement après, on va voir. Mais voilà, vu qu'il y a eu des erreurs d'écriture, j'en avais déjà eu dans Code Veronica où je pouvais quand même les supprimer. Mais là, il y en avait tellement, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, tout le walkthrough buggé. Et si vous voulez, l'erreur d'écriture fait carrément planter le PC et on est obligé d'attendre qu'il réagisse au bout de 5 minutes. Donc voilà quoi, je me suis dit bon, c'est mort, je vais tout supprimer puis je le referai le lendemain. Au final, moi, je le fais 2 jours après, et entre deux, j'ai fait un petit live avec Mr. Replay 56. Donc, il sera sorti avant cette vidéo. Donc, j'espère que ce petit live vous plaira. Parce qu'il m'a demandé énormément de travail. Parce que faut pas croire, mais le fait qu'on était en multi, si vous voulez, au niveau des audios, je sais pas si c'est le logiciel ou ce qui fait la différence, mais si vous voulez. J'arrivais pas à caler les deux audios correctement. Au début, ils étaient synchronisés. Et puis après, les voix est retombée par-dessus. Ah ouais, ça m'a pris. On a un petit peu passé, hein, mais bon. Ton sang, Elena, où tu es? Je crois que je viens de par là, à la base, non? Ah, attends voir. Pourquoi cette tour est-elle si importante? Oh, enfoiré! Non, j'ai un pas de parole. Oh, je sais. Ah ouais, putain, je suis partout en arrière. Non, pas ça! Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai fait un multi donc, sur Uncharted 2, donc j'espère qu'il vous plaira. Ça m'a demandé pas mal de travail de synchro les voix et j'ai travaillé. Ça prend au moins 2h30 de montage parce que je l'avais découpé. Fois les portions d'audio pour que ça coïncide avec l'autre en fait, pas que on parle tous les deux en même temps et que nos réponses soient synchronisées quoi. Et c'était vraiment chiant ce bug là, donc je pense que la prochaine fois j'utiliserai un autre moyen d'enregistrer l'audio. Ouais, donc on a un petit peu passé, si vous vous en rappelez, la dernière fois on s'est arrêté dans une grande porte en métal et il y avait un lac. Et si vous voulez, je vais essayer de récupérer une arme, voilà. Si vous voulez, c'est juste un petit peu après, bon, vous avez pas loupé grand-chose, hein, donc ça va. Il y a peut-être une scène où il y avait pas mal de kills à faire, mais niveau histoire, il n'y a que dalle, ça va. Donc je vous rassure. Donc ouais, cette petite erreur de capture, elle m'a bien saoulé sur le coup, je vous le cache pas. Parce que l'endroit où il y a plein de mecs à tuer, si vous voulez, était super galère. Ça a dû faire mal. C'était assez galère, je suis mort assez de nombreuses fois quoi, et du coup le fait que ça n'ait pas filmé alors que j'ai galéré, j'ai un peu la rage. Enfin ça a filmé mais voilà, ça a déconné quoi. Ah, j'ai un peu mal lancé. Ça va changer. Ah, un truc là, calache. Ah, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Ah oui, donc faut grimper sur la tour. C'est pareil, j'avais galéré, je suis mort 2 ou 3 fois parce que le mec se raccrochait pas en fait. C'était assez bizarre. Hop. Voilà. Et là, l'autre fois, j'avais réussi à sauter directement là-bas. Voilà. Donc, ça évite de passer au poteau de qui est à gauche. Hop.
Voilà, c'est bon. La dernière fois sans A, je me suis fait péter la première fois. Parce que je me rappelais plus c'était quel bouton, mais je me suis fait avoir. Donc là, ça va. Pour l'instant, je suis pas trop mal parti. Finalement, c'est quelque part, c'est mieux que je refasse. Que là, je gère un petit peu mieux, on va dire. Parce que l'autre fois, je vous dis pas le nombre de fois, j'ai dû réescalader ces endroits-là. Oh putain. Voilà. Je me rappelais plus qu'il y avait ça. Voilà. Alors. Je crois que c'est par là. Voilà. Oh non. Non, 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 non. Voilà. Alors je crois qu'il faut faire tout le tour, il me semble. Ouais, c'est ça. Après on retombe. Hop. Ouf, ça va. Je croyais que j'étais tombé. C'est bon. Ça va, ça, je gère un peu mieux que l'autre fois quand même. Et voilà. Pardon. Sans pas pour le squelette. Hop, et on redescend. Alors cette clé va nous servir à ouvrir une porte, bien évidemment. Oula, je croyais qu'il s'était réveillé, le mec. Je me suis mis là, c'est bizarre, lui, j'ai mis des balles pourtant, mais... Ça va, il est bel et bien mort. Ah, donc c'est ici. Non. Bon. Ben voilà. Où est-elle? Oh non. Putain, si c'est ce que je pense. Oh putain, non. Oh non, je croyais que j'avais passé cet endroit-là. Et c'est l'endroit où il y a plein de fusillades dans tous les sens, où je suis mort X fois la dernière fois. Mais il est trop galère. Franchement, j'espère que je vais y arriver assez facilement cette fois. Parce que l'autre fois, je compte même pas le nombre de fois où je suis mort. Hallucinant. Ah, c'est qu'on voit que dalle, quoi. Je vais essayer de le faire en rushant. Ok. Tiens, on va essayer de péter la tour. Ah, s'il fait déjà ça de moi. Ça va. Voilà. Ça va, j'ai un petit peu mieux que toi déjà. En fait, c'est surtout la grosse mitrailleuse qui fait chier. On loupe le tir lance-grenade, après c'est l'enfer. Allez. Ouais, on va entendre un peu. Ouais, super. Ça va. Ça, lui, va se la manger. Oh, sale tour arrière. Ok. Voilà, c'est bon. Je crois que je vais prendre le magnum. Nouveau joujou. Ah, y'a plus personne là, quoi. Ah, j'ai parlé trop vite. Pourquoi je me retrouve toujours dans de tels merdiers? Ah bah bonne question. Hop. Je crois que c'est bon. Ah, et les munitions. Alors, par où je passe déjà? J'ai vu un truc là, je sais pas si on peut l'actionner. Ah si.
Voilà. Ah oui, puis là, il y a des mecs, je crois, en haut, il me semble. Ah tiens. Les mecs, ils essayent de se faire discret. Ça devrait les réveiller pour de bon. Ah, il meurt pas l'autre. Je fais attention parce que je sais qu'à ce moment-là, il y a des... Voilà, il y a des fusées à pompe de merde. Évidemment, pour un corps, ça fait très mal. Allez, montre-toi. Il vient pas ou quoi? Il est mort. Ça, on va prendre le pont. Ça tombe à pic. Tiens. Il voulait pas venir, ce con. Ok. Ah bah ça va, en fait, vous avez pas loupé grand-chose. Parce que là, il y a... Ah oui, je vais pouvoir me servir. Ah, ça c'est bien. C'est un peu de plaisir, hein, en vivant. Ils sont vachement résistants quand même. Voilà, c'est... C'est nickel ça. Je vais reprendre le micro, tiens. Parce que ça, c'est pas très puissant, mais... le fait que la cadence soit élevée, je trouve que c'est plutôt rentable quand même. Alors, où on se... Oula. Ah oui, je me... Là, c'est bon, je me rappelle. C'est pas espagnol, ça. C'est anglais. Oh! Fletcher, nous sommes partis à la Grande Tour. Je prie pour que nous nous y retrouvions. Francis Drake? Waouh! Donc t'es bienvenu ici. Mais qu'est-ce que tu mijotais? Bonne question. Il est là! Tiens, mange! La dernière fois, j'ai dû y mettre 3-4 coups avant qu'il meure, que là, un seul, ça la suffit. Ah ouais! C'est là qu'il y a un beau paysage. Bah ça, on va attendre un petit peu ici, parce que franchement, si vous regardez le paysage, c'est pas l'un des meilleurs jeux sur PS3 niveau graphisme. C'est vrai que le deuxième, par contre, il est considéré comme l'un des meilleurs. Mais le premier, il me semble pas. Hein. Mais on peut déjà voir ce qu'ils ont dans le ventre chez Naughty Dog. Parce que franchement, là, je trouve ça super beau. Quoi. Il y a pas mal de décors comme ça, que ça soit aussi bien dans le 1 que dans le 2, voire même dans le 3, hein, puisque j'ai pas encore joué. Mais bon, j'imagine qu'il y en a. Des décors comme ça, des trucs cartes postales, qu'on appelle ça, mais c'est... C'est génial, quoi, c'est super beau. On s'y croirait presque, là, quand même. Donc voilà, ça, c'est notre prochaine destination, truc que vous voyez là-bas. Donc on n'est pas encore prêt d'y aller, il va y avoir quelques petites choses à faire avant, mais ça va pas tarder. Ça doit être la tour de Drake. Donc voilà, notre objectif c'est déjà d'aller là-bas. Si ces mecs nous laissent y aller. Ce que j'aime avec cette arme là, c'est qu'elle a très peu de recul. Bah après à distance elle est pourrie, c'est sûr. Mais de près, elle a très peu de recul et c'est moins chiant à utiliser qu'un pistolet, quoi. Hop. Fusil à pompe, je vais le garder encore un peu.
Alors oui, il me semble que c'est là. Hop. Voilà. Allons-y. Hop, c'est bon. Alors ici, c'est un peu plus compliqué, je crois. Où est-elle allée ? Voilà. Je sais pas si c'était vraiment par là que j'avais passé. Mais... Oups. J'ai lâché sans faire exprès. On est où, là ? Ah, ça va, on est pas trop loin. Ah, ils nous ont même aidés, je crois. Ouais. On est légèrement plus long, on va dire. Il y a souvent des scènes comme ça dans ce jeu-là. Ouais, c'est pas drôle. Voilà. Quand on meurt, des fois, ça sauvegarde juste un petit peu après. Donc du coup, c'est tant mieux pour nous. Ça nous fait moins de choses à faire. On peut voir quand même que les graphismes... Comme je dis, c'est pas forcément l'un des meilleurs sur PS3, en tout cas pas le 1. Mais franchement, moi j'avais vu une critique sur jeuxvideo.com où il disait que c'était... Bon, il était beau, mais disons qu'il avait été un petit peu bâclé parce qu'ils avaient été un petit peu limite niveau timing. Mais franchement, moi je le trouve énorme quand même. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherchais ici, hein? Tiens, tiens, ça me dit quelque chose. Mais les navires sont toujours là? Elena? Eh, par ici. Regarde! Il y a des copains. Oh, merde! Je sais que je ne suis pas un grand chasseur de trésors comme toi, mais je doute que tu trouves Eldorado par ici. Comment tu t'es fourré dans ce pétrin? En essayant de te sauver, pour tout te dire. Oh, comme c'est mignon. Des briques traditionnelles de grès et de stuc, du mortier friable... Hey, tu peux me dire comment tu sais tout ça? Mon émission, épisode 4, Architecte du Nouveau Monde. Ouais, il suffira de rien pour arracher ces barreaux. Quoi? Non, attends, t'es sûr? Bouge-toi de là, pauvre crétin! Ouvre-moi cette porte, tête de l'œuf! Oh, mais... Drake! Diracha, j'aurais dû m'en douter. Un document fascinant, hein? On dirait que Sir Francis était dans la même branche que moi. Te jette pas de fleurs, Eddie. Alors comme ça, on est toujours ennemis, hein? Je vais te dire, mène-moi jusqu'alors, et je te laisserai peut-être en vie. C'est tout. C'est ça le deal. Mourir maintenant, ou t'aider et mourir plus tard. Pas facile comme choix, mais tu sais quoi? Je préfère mourir. Tu vas la fermer! Écoute-moi bien, Astico. On m'a promis un trésor sur ce satané rocher. Et maintenant, mes hommes sont en train de crever! Ils peuvent même pas sortir pour pisser sans un quart d'armée! Et je peux absolument rien y faire! Je suis en train de te faire une offre correcte! Tu m'aides à trouver le trésor, et le dernier homme en vie récupère l'or! Et la fille, bien sûr! La fille? Oh, Eddie, la fille est déjà loin. Elle a sûrement quitté l'île maintenant, pour chercher de l'aide. Espèce de gros menteur! T'as jamais été très bon au poker? Je vais la trouver. Crois-moi, c'est sûrement pas une fille qui va m'impressionner. Alors? Tu viens? Merci.
on dirait que Freddy s'est fait niquer hein, sur ce coup-là. Alors, vous avez pu rencontrer ce nouveau personnage. Voilà, ça va être pas mal le bordel. Hein. Une grosse scène d'action. C'est un peu chaud à viser, hein, vu que ça bouge un peu dans tous les sens. Ouais. Ça reste à peu près jouable. Ouais, il y a moitié bugué lui. Ça aurait été trop beau si c'était déjà fini. Ça va, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un lance-grenade aussi sur le... Parce que là, je dis sur la mitraille. Assez bien ce genre d'arme. Ils sont derrière nous. Voilà. Bon ça va, là c'est une petite balade de santé. Par contre, je suis fait avoir le toit, donc là je m'en rappelle. Oh, je la vois. Voilà. Merde. Ça va, je joue pas trop avec les vies, là, frôler la falaise. C'était qui ce type? C'est juste un ancien. Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Ok. Attrape ma main. Ok. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Mais dis donc, tu saignes? Ça fait couleur locale. Allez, on se tire d'ici. Merde! Allez! Vous nous quittez? Hé, hey, Eddie! Vous pensiez tout de même pas pouvoir m'échapper, pas à moi! Oh non! On allait juste faire une petite balade digestive. La ferme! Je sais que vous travaillez aussi pour eux. Hein? Vous pensiez me la faire à l'envers et vous partager le butin, hein? C'est ça? Bonsoir, ce type est givré! Eddie! On se calme, mec! On dirait que la chance tourne! Vous êtes piégé. Maintenant,
Donnez-moi cette carte. Accroche-toi. D'accord. Je m'incline, t'as gagné. Hé hey, pas un geste. Relax, Eddie. Je prends juste la carte comme tu me l'as demandé. J'ai dit accroche-toi. Je le suis. Bon alors, tu me la donnes? Bah, tu viens de me dire de pas bouger. On dirait que tu vas devoir venir la chercher. Ah, t'as camo. Allez, allez. Eh ben, on a tout gagné, je crois. Ils essayent de nous tirer dessus. Je sais pas si on peut les avoir. Bon sang. Ah, ils sont têtus, ces mecs. Ah, si. La dernière fois, je les avais pas tués. Ah, on en a encore un, je crois. Ça a l'air d'être bon. Alors là, il y a encore pas mal de monde. On ramassera Terrestre. Oh non. Putain. Il est bien lancé en plus. Heureusement, je me suis barré. La dernière fois, on s'était quitté ici. Hein. Mais là, vu que. Il y a une bonne arme. Ils sont. Vas-y, montre-toi. Bon, il me saoule. Ouais, mon chat. Oh merde! Il est pris au piège! D'accord. Vas-y, ramène-toi. Voilà. Donc oui, je disais, la dernière fois, on s'est arrêté là. Enfin, quand je croyais que la vidéo marcherait, je m'étais arrêté là. Mais finalement, vu qu'on a commencé un petit peu plus loin qu'à l'origine, et que là, on est même... Si on arrive à 30 minutes... Je vais refaire une petite portion de 10 minutes. Comme ça... Oh... Ah oui, j'avais oublié. C'était une grosse erreur. Sans blague. Tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore ? Regarde ça. Ok. Tu vois ce bâtiment sur le port ? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Attends une minute, c'était quoi ? Quoi ? Rembobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour, allez. Notre billet de retour ? Tu laisses tomber ? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. Pff, on se débrouille bien jusque là. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience. On y va. Oh, arrête ça, tu veux ? Pars de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok ? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas ? Alors, c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool. Attends. Cette fois, je conduis. Ok. Bon bah voilà, on arrive à la partie du jet ski et c'est pas la meilleure. Enfin, au début, je crois que ça va, mais ça, après, j'ai des mauvais souvenirs. C'était assez galère. Je comprends pas. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte ? Alors, marche arrière... Oh non ! Ouais, voilà,
Ça commence dès le départ. Pourquoi il a un lance-grenade? C'est quoi ce bordel? On dirait qu'on a de la compagnie. C'était pas ça la dernière fois. Vis de baril. Ah bah tant mieux, hein, mais je sais qu'après on joue avec le flingue, il me semble. Alors on va shooter le baril, pour pas qu'on se fasse péter avec. Voilà. C'est assez sympa, je trouve, cette session en jet ski. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est un petit peu mal dosante. La ville est complètement inondée. Que tu nous couvres. Il y en a encore là. Voilà. Ah, je croyais que je les avais pétés. Putain, c'est chaud. Putain, vous voyez, c'est... En plus, pour se mettre à couvert avec un bolide comme ça... C'est pas terrible. Je sais pas où ils sont. Ah voilà. Hop. Il n'y avait pas un autre? Oh, ils sont sérieux? Oh la vache! Oh, j'ai même pas pu faire quelque chose. Oh putain, en arrivant en plus. Oh là là. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas forcément ce passage là niveau difficulté. Putain, le coup du lance-grenade là, méchant. Mon Dieu. Il joue avec les mêmes armes que nous, on voit largement la différence. Je sais pas où il est ce con. J'espère qu'il est mort. Hein. Ah non, il est pas mort. Quoique, je sais pas. Moi aussi, ça doit être bon parce qu'on voit personne. Donc on continue. Oh putain, il est là. On va y arriver. Ça doit être bon. Tiens bon. Ah. On arrive où? Le voilà. Il ne reste plus qu'à trouver comment entrer. J'imagine que c'est par là. Une fois j'ai lu un truc sur un trésor inca maudit. Imagine que... Me dis pas que tu crois à ces conneries. Je dis juste que quelque chose de terrible s'est produit ici. Une colonie entière ne disparaît pas par enchantement. Ouais. Alors c'est quoi ta théorie? Bonne question. Allez. Merci. On peut peut-être y arriver en suivant ce câble. Allons voir ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends. D'accord. Essaie de trouver un accès à cette tour. Oh.
Vas-y, montre-toi, toi. On va aller chercher parce que chaque fois il y a un connard qui reste caché et qui se ramène pas. Ouais, ça te dirait de mourir juste comme ça pour me faire plaisir. Il y en a combien? Ils veulent pas mourir en plus, c'est chaud. Oh là là, je crois qu'il était mort. Voilà. Ah, il y en a encore. Voilà. Ok. Encore? Oh putain. Lance-grenade de merde. Voilà. Chou. Parce que ça, si on s'en mange un coup, hein, vous savez déjà ce qui se passe, donc bon. Faut mieux éviter, quoi. Et voilà. On va peut-être pouvoir le récupérer, du coup. Ils sont où les autres? Non. Ah, bien loupé. Le voilà. Ah putain, merde, j'avais pas vu. C'est pas le passage le plus simple. Oh, on recommence là en plus. Bon, on va essayer d'aller là où il y avait une lance-grenade et puis on va se quitter là-dessus, je pense. Que là, ça commence à déjà faire long. Je vais bientôt faire une coupure parce qu'on est arrivé à 9 minutes là. Oh génial. Vas-y, ramène-toi. C'est bon. Alors je fais une petite coupure maintenant, à tout de suite. Voilà, c'est parti pour la dernière partie. Il est arrivé directement. On va peut-être la jouer un petit peu plus soft parce que c'est dommage de leur mourir. Un peu. Ah, c'est long à régénérer quand même. Voilà. Oh, je préfère prendre le micro. Ça va recharger. Ok. Alors je sais qu'il y avait un autre mec tout à l'heure, mais là, on va y aller à la calage carrément. En mode warrior. On le bute. Le voilà. Et ils vont crever, c'est con. Oh, oh, non, pas ça. Ok. Arrêtez-le. Oh non. Merde. Oh putain, merde. Ah, c'est galère à lancer les grenades. Oh, oh, non, pas ça. Voilà, mange. Ah voilà, c'est bon, on a fait le ménage, impeccable. Hop, ça tombe à pic. Que des bonnes armes. Et voilà, on est prêt pour la prochaine.
Donc on va se quitter là-dessus, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Donc il est arrivé un petit peu en retard, hein, parce que normalement il devait sortir après la deuxième partie du chapitre 1 de Resident Evil 6. Bon, à la place j'ai mis le live, donc bon, ça reste un petit peu Uncharted, donc j'espère que ça vous aura plu ça aussi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à commenter comme toujours, ça me fait assez plaisir parce qu'en ce moment vous êtes assez actifs de ce côté-là. Donc ça me permet de partager un petit peu avec mes abonnés, donc ça fait assez plaisir. Donc je vous encourage à continuer dans cette voie-là, puis voilà. Donc merci, puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.